Alors, on reprend ça, on va entendre le... Tic. Allez. Oui. Et on est là. Oh là. Putain, Golgotron. Elle va bien, madame. Elle va bien. Faut que je regarde où je dois aller. Bien entendu. Donc level 2, je m'en fous. C'est fait. Ah, le prochain, c'est le... Oui. Ah, ouais, le meilleur. Ok, bon. Ah bah, évidemment, si j'ai pas le jeu devant, ça va pas aider. Je peux passer pour le sud, je crois. Mais ouais, madame va bien, elle est juste pas là aujourd'hui, parce que... Elle allait manger, souper avec avec sa famille. Je vais équiper ça, tiens. Mais ouais, elle allait souper avec sa famille et puis c'est pas du tout là que je dois aller. Je dois aller par où? Y pour me. Et puis là ce soir elle va pioncer chez elle parce qu'elle a pas beaucoup l'occasion d'être à la maison. Et puis, comme ça, elle peut être aussi un peu avec son frère. Parce que même si essentiellement, elle glande avec moi, elle est quand même censée être en coloc avec son ref. Quoi de neuf dans la vie, sinon pas grand chose, hein. Je bosse pour le Covid, en étroite relation avec le Corona. Comme ça, je peux obtenir des... C'est cette chose assez étrange que les humains utilisent, qui peuvent échanger contre des biens ou des services. Ils appellent ça de l'argent. C'est un peu l'équivalent des rubis, en fait. Mais en moins bien. Et puis, voilà. Donc je bosse pour le Covid, en étroite relation avec le Covid. Et je dois juste traverser, et puis c'est pas loin. Et puis ouais, là je suis dans ma coloc avec mon pote depuis longtemps, hein. Ça fait déjà un moment, je crois que t'es jamais venu, mais on avait déjà parlé, je crois, la dernière fois qu'on s'était vu, là, quand j'étais venu chez toi. C'était il y a pas si longtemps que ça. Et puis, sinon, quoi de neuf? Pas grand-chose, vraiment. C'est-à-dire, bah, je l'aide à aller sur des gens. Et à infecter... Non, pas du tout. Je t'imagine. Non, c'est... je suis au traçage. Je trace les gens, donc les gens dans le coin qui obtiennent le corona, bah, je les appelle, et puis... Je note ce qu'ils ont comme vaccin, comme cas contact, que je dois potentiellement mettre en quarantaine, mais bon, évidemment, quand on a des millions d'années de retard, et puis qu'on les appelle une fois qu'ils ont déjà fini leur isolement, parce que ces connards à la Confédération, ils ont décidé qu'on devait avoir plus que 5 jours d'isolement et de quarantaine, donc maintenant, quand on les appelle, comme on a du retard, eh ben, ils ont déjà fini. Mais voilà, comme ça au moins je peux leur donner leur... Ah, puis évidemment, ouais, tout ça pour pouvoir leur envoyer leur certificat, et puis... Comme ça ils peuvent montrer à monsieur le patron, oui regardez, j'ai pas menti, j'avais effectivement le Covid, j'ai pas pu venir bosser, quoi. En gros c'est ça. Mais non, c'est pas pour la protection civile, c'est job d'étudiant. Je suis là-bas à 50%. Il y a des gens qui sont à la protection civile... Là-bas. Mais non, moi, en l'occurrence, pas. C'est un job d'étudiant. Je vais prendre une autre approche pour ce donjon. Parce qu'il y a une mauvaise idée. non, ça va, j'ai 3 clés. Je sais bien. Je vais essayer de longer la droite, en fait. Dans l'espoir que j'ai assez de...
ils sont tellement plus faciles avec avec le sword slash plutôt que le stab. C'est incroyable. D'habitude, c'est une purge, ces ennemis. Oh. Mais ouais, donc je sais pas pendant combien de temps ça va encore durer, parce que bon, de toute façon, là-bas, je suis en temporaire seulement jusqu'à août. Non, avril. Ouais, avril. Je confonds toujours ces deux mois. C'est tout en mon honneur. Mais ouais, et puis bah, vu les derniers trucs que Berset a sortis... Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une bonne time capsule pour les gens qui regarderaient leur diffusion de ce stream dans quelques années. Je pense honnêtement être assez safe en disant que c'est la fin du corona. Tout le monde en a marre. Et puis ouais, la Berset, il commence à parler d'enlever les quarantaines. Ça, je pense que c'est pas pour la semaine prochaine, hein, mais... Donc ça veut dire que moi, techniquement, j'ai plus de job à partir de ce moment-là, quoi. Arrêtez le truc avec le Covid Pass, les trucs comme ça. Donc, voilà. Donc c'est à la fois bien pour le moral, de manière générale. Moi, j'ai hâte qu'on puisse enlever ces masques dans le bus et puis dans les magasins. Ça, je pense qu'ils voudront garder encore un petit moment, juste parce qu'ils peuvent. Mais voilà. Ça me saoule de pas avoir de vie sociale du fait qu'il y a aucune manifestation qui s'organise vraiment, parce que tout le monde a peur. Ouais, j'avoue. Bon, après, maintenant, hier soir... C'était hier? Ouais. Je suis allé à un concert. Ouais, je vais juste faire le tour par là. Non, là, je suis déjà allé, du coup. C'est où j'étais tout à l'heure, ça, ou bien... Donc ouais, en concert d'un pote, son premier concert, puis du coup, c'était dans un petit... Ouais, ici, je suis déjà venu. Son premier concert, et puis c'était bondé, etc. Mais ouais, ça a fait plaisir. On était censé garder le masque, quand même, pendant qu'on... du coup, je longeais par la gauche, en fait. Je continuais comme ça. Ouais, on était censé garder le masque, mais je veux dire... Tu devais quand même l'enlever pendant que tu buvais, on va dire. As-tu obtenu l'épée du vieil homme au sommet de la cascade? Oui, monsieur! Oui, ça fait... Mais ouais, donc du coup, il y a quand même eu un truc. D'ailleurs, c'était la première fois depuis très longtemps que j'ai pu voir un concert. Très longtemps, quelques mois, mais... Mais il recommence à y avoir 2-3 trucs, on va dire. Et puis là, non. Après-demain, je vais, avec quelques autres personnes, causer avec les tenanciers du Belved, tu connais? Évidemment, tu connais le Belved. La première fois qu'on s'est vu hier, elle, c'était là-bas. Ouais, voilà, la super map, hein. please, fais-moi pas chier, merci. Mais ouais, pour pouvoir recommencer à organiser des jams là-bas, ils ont changé de proprio. Ils ont tout refait, j'ai encore pas refoutu les pieds depuis qu'ils ont rouvert. Mais voilà. Donc, organiser des jams là-bas, donc il y aura de nouveau plein de monde qui pourront faire de la musique et puis du coup rencontrer du monde, notamment des musiciens pour les musiciens, puis sinon écouter de la musique live. Ça va être hyper stylé, j'ai trop hâte. Pour lui, il faut des bombes. Et ouais, je suis full bombe en l'occurrence, mais... Oh la vache, first try. Oh nice, one shot. First try aussi, on m'a fait. Oh, je suis content. Rien à sortir plus, mais je sais jamais où. Bah là, en l'occurrence, je pense que ce sera de nouveau les lundis. Ça risque d'être hebdomadaire, je pense, j'espère. Je l'ai nuke, je l'ai complètement nuke. Oh. Pauvre bête, quoi. Mais donc, ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça... Déjà, ça se relâche un peu.
Parce que tout le monde en a marre, en fait. Tout le monde en a marre. Donc là, c'est, allez, on refait des jams, allez, on refait des concerts. Ouais, ouais, les gens, ils doivent, on leur dit de mettre le masque, ouais, ouais. Ouais, ouais, on contrôle le pass. Donc il y a encore, hein. Ouais, ouais, on fait ça. Tiens. Ouais, je te redis, parce que bah, pour l'instant, c'est encore pas le cas. Là, lundi, on va avoir une petite réunion avec les gens intéressés. D'ailleurs, tant mieux, hein, mais ils ont mis une annonce. Pour justement cette réunion, pour tous les gens, on va dire, random, qui seraient chauds à participer à l'organisation des jams. Parce qu'ils savent pas comment ça marchait avant. On était 3, 4. 4. En vrai. Attends, il y avait moi, Max, la gaffe, 4, ouais. 4 personnes à organiser ça, à tout mettre en place. Là, apparemment, ils veulent plus faire une sorte d'équipe, et puis les gens viendraient, je pense, quand ils peuvent. Ce qui peut marcher aussi, hein. Je sais pas si ce sera électrique ou pas. Ouais, ici j'ai eu le radeau. Donc je crois qu'en fait ici, j'ai tout eu, je veux juste encore aller checker en haut. Mais je crois bien que j'ai eu... je crois bien que j'ai fini le donjon à 100%. Là, c'est les gens qui chopent alors qu'ils ont tout fait pour pas l'avoir. Et puis alors que les gens qui font tout pour l'avoir, et j'en connais... Bah notamment ceux qui voudraient avoir le pass. Et puis qui ont pas du tout envie de se faire vacciner. Eux, jamais l'auront. Non, exclu. C'est vraiment terrible, quoi. J'en connais deux comme ça. Qui ont pas envie de se faire vacciner et qui... Je dis, ils font tout. Non, ils font pas non plus des corona parties, mais... Alors voilà. Ouais, ouais, ici, je suis allé. Donc ouais, je crois... J'ai juste encore checké une salle. Mais je crois que ce donjon-là... C'est tout bon. J'ai 142 balles. Après, du coup, je vais un petit peu papillonner. Essayer de... Pas de mémoire, du coup, mais par bol. Essayer de retomber sur un shop où je peux acheter la viande. Et je vais juste checker si ici je suis bien allé à droite, mais je crois que oui. Ouais, 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 clairement. Ok. Ouais, ouais, c'est même par là qu'on... Ok. On est bon. Mais donc ouais, deux qui veulent pas se faire vacciner, qui voulaient pas, enfin qui ont pas eu de problème à aller voir leur pote qui était positif et puis faire un peu gaffe après pour pas non plus tousser sur tous les vieux qui croisaient, tu sais. Mais je veux dire pour eux être infectés et puis comme ça c'est fait, puis ils avaient leur passe. Le micro, théoriquement, on est tous censés le choper. Tellement il est facile à avoir, ouais. Et puis mon coloc, qui lui l'a eu. Enfin, on n'est pas sûr que c'était au micro, mais on pense, parce que... Voilà. Il a eu zéro symptôme. Donc, moi, qui suis vacciné 3 fois... Ça se trouve, j'ai déjà eu, ça se trouve, je l'ai maintenant. J'ai pas de... Je me suis pas fait tester parce que j'ai pas de symptômes, quoi, voilà. Donc ouais, papillonner, essayer de trouver le... La viande. C'est pas du tout par là. C'est de l'autre côté de la rivière. Mais ça aussi, bon, évidemment, je peux pas dire son nom, notamment parce que je l'ai oublié, mais... Aussi parce que légalement, j'aurais pas le droit. Mais un type que j'avais appelé, un vieux, pour le bah, pour mon job, qui avait dit... il l'avait déjà chopé en fin 2020. Il a failli crever. Là, maintenant, il l'avait de nouveau. Et puis, il avait rien, il avait un mini-rhume, quoi. Et encore, je veux dire, un mini-rhume, ça peut juste être de saison. T'as un petit rhume maintenant, tu penses pas aller te faire tester, quoi. T'en as rien à foutre. Donc voilà. Mais je crois que... C'est plutôt en haut... Du lac. Là-haut.
en longeant le truc. Il me semble que c'est plutôt vers là-bas qu'il y avait la bidoche. Je croyais que c'était une sinusite et on m'a dit Covid. Bah oui, bah tu vois, c'est... Maintenant, il y a encore hein, le truc de pas de goût et d'odorat, mais c'est... soit plus rare, parce que les gens soit l'ont déjà eu. Bon, ça c'était des thunes. Soit parce que les gens sont déjà eu, soit parce que, bah je veux dire, maintenant t'as quand même... chez nous, je crois, au moins 80% de... Ouais, je vais l'acheter même si... Je pourrais l'avoir pour moins cher, je l'achète maintenant, comme ça c'est fait. Quand même, je crois, autour des 70 ou 80% de tout le monde qui est vacciné. Donc du coup, t'as quand même des anticorps, donc voilà. T'as la maladie, mais tu fais pas gaffe, quoi. Covid-usite, ouais. Ça. Tu peux te casser avec ta vidéo YouTube, là. Tac, tac, tac. Hop là, on fait encore le numéro 4. Ah, peut-être aussi le 5, hein, tant qu'à faire. Ah, un nouveau heart. Ok. Je sais où je veux aller. Et ouais, encore une fois. Les non-vaccinés, je veux les emmerder. Non, ça c'est autre chose, désolé les Français. Non, mais... Il y a le truc un peu vrai. Oui. Après, évidemment, il y a encore des gens pour qui ça peut encore être très dangereux, hein, je dis pas, mais pour la majorité de la population, entre le fait que la majorité de la population est déjà... a déjà bien des anticorps, que ce soit s'ils l'ont déjà eu ou... Je veux pas trop continuer à en parler après, parce que ça me casse les couilles, et puis je préfère parler de Zelda, mais... juste finir cette histoire. Il y a encore des gens pour qui c'est encore dangereux, évidemment, et puis... Viens là, nice. Pour qui c'est encore dangereux, etc., mais pour les gens qui... La majorité de la population qui ont déjà... des anticorps, soit parce qu'ils l'ont déjà eu, soit parce qu'ils sont vaccinés. Et voilà. Ah, et puis bah, le fait que les variants de maintenant, ils sont certes plus virulents, mais ils ont des symptômes moins violents. On se rapproche d'une grippe 2.0. Je veux pas non plus dire que c'est pas du tout important, parce que bon, la grippe elle tue aussi des gens tous les ans. Mais ça devient beaucoup moins important et ça fait de moins en moins peur, on va dire, comme... Ah bah non, parce qu'ici il faut l'échelle, pas le radeau. Elle fait que les gens en ont marre et puis que, ouais, allez, vas-y. S'il y a des gens qui doivent crever, ils vont crever. Moi, je pense pas nécessairement ça, mais... Au bout d'un moment... j'aurais dû aller de l'autre côté. Non, c'est ici. De l'autre côté, c'est le... C'est un donjon. Vite aller voir, mais... Cette connerie, je peux pas faire vacciner pour ma troisième dose avant au moins 6 mois. Ah, chez vous, c'est 6 mois. Chez nous, c'est beaucoup moins, alors. Avant Noël, il parlait de... C'est pas là derrière? Bien sûr, c'est là derrière. Pas chier. Ou je peux pas encore y aller? Never mind. De toute façon, c'est pas là que je dois aller. Non, c'est pas du tout là que je dois aller. Je dois retourner là où j'étais avant, d'ailleurs. Mais enfin, voilà, ouais. Donc, les gens qu'on en marre, dont moi. Même si... c'est ça qui paye mon loyer. Pas non plus un trou du cul, je suis le premier à vouloir que ça arrête, quoi. Faut littéralement pas tousser plus d'une fois à côté d'elle, elle est complètement parano. Mais ouais, il y a aussi ça, les gens qui viennent parano à cause de ça, qui du coup est l'autre extrême de ce que je disais avec les gens qu'on en marre, etc. Un pote à moi, d'ailleurs je crois que j'en ai
pas ou très rarement parler en stream. Lui aussi, il est complètement paranoïaque avec ça. Bah lui aussi, il vit avec quelqu'un qui est très à risque. Donc déjà de base, il était du genre à utiliser du gel hydroalcoolique avant même que moi je sache que c'est quelque chose qui existait, quoi. Voilà. Mais ouais, lui, pendant, je crois, un an ou un an et demi, il est vraiment pas sorti de chez lui, quoi. Et puis, même si à la base, il faisait attention, certes, j'ai peur que ça lui ait complètement retourné le cerveau et puis qu'il soit devenu vraiment, vraiment germophobe. J'espère vraiment que c'est pas le cas, parce que... C'est chiant. Il y a un autre ami à moi, bah du coup, nos potes en commun, parce qu'en temps on faisait de la musique ensemble, qui a pu le voir, je crois, une fois entre temps, depuis. Et puis du coup, ils se sont baladés en forêt, mais... il fallait mettre le masque. Et... Est-ce que j'ai récupéré là? Oui. Il fallait absolument mettre le masque et puis... marcher à 1 mètre de... Non, 2 mètres de distance tout du long. Discuter comme ça et puis le gars, toutes les 5 minutes... il se lacérait les mains avec du gel. Du gel hydroalcoolique, quoi. Voilà. J'arrête d'en parler parce que ça me saoule. Et puis je pense que si on vient sur un stream de Zelda en début 2022, c'est pour penser à autre chose. Donc voilà, on est dans le donjon Curry. Parlons Zelda, absolument. Alors ça aussi, j'en parlais avant, des palettes. Des palettes de couleurs pour les donjons. En mettant mes nouveaux tiles et sprites... Bon, pour l'overworld, etc., j'ai fait attention. Pour les donjons, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit, je vais regarder ce que ça donne. Y a rien qui m'a choqué, à part les underground, qui sont roses. Du coup, ça me faisait marrer. Et voilà. Donc, quelle est cette version, du coup? Cette version est la version que moi, j'ai fait. C'est mon Zelda 1. Remake de Zelda 1, mais en version Game Boy. Qui du coup tourne sur PC. Il y a aussi sauf erreur... Je vais regarder, je veux pas dire de conneries. Je crois qu'il y a une version Linux aussi. Là, évidemment, je suis sous ma VM Windows, mais... Zelda Classic, qui est un très vieux... à la base, un portage... De Zelda 1. Juste regarder... 1999, la première version. Ils ont commencé à bosser dessus en 1999. Et je veux regarder, ça marche sur Mac aussi, mais je veux voir s'il y a une version Linux, sûrement. Il y a une version Linux, ok, c'est bon. C'est bon. Donc on peut y jouer sur ce qu'on veut, comme PC. Il y a une version Mac, il y a une version PC, Windows, il y a une version Linux. Donc voilà. Et puis, en gros, j'ai juste importé Zelda 1 à l'intérieur. Et j'ai remplacé toutes les tiles. Tous les tiles, tous les Karasets, tous les ennemis. Et les trucs pour prendre sur des Zelda Game Boy, que ce soit Link's Awakening ou Zelda Oracle, je les ai un peu mélangés, hein, rien à foutre. De toute façon, il y a tout qui est joli et puis qui va bien ensemble. Et voilà, en gros c'est ça. Maintenant j'ai aussi, on l'entend, modifié les musiques. J'ai importé les musiques de Zelda Awakening. Du coup, sauf une chanson. Parce qu'il en manquait une pour le dernier donjon. Et celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Et évidemment,
Maintenant, on peut se déplacer de manière diagonale, parce que dans cette salle, on voit pas très bien d'ailleurs, mais on peut se déplacer de manière diagonale. On a le sword slash au lieu du stab. On peut le tenir en comme ça. Et ouais, nombre maximum de rubis, et puis je crois que c'est tout. En gros. Non, mais donc voilà, j'ai modifié le gameplay aussi. En gros, dans les... Merde ! Non ! Non ! Oh, il m'a bouffé mon shield, fait chier. Tant pis, de toute façon. Oh, s'il te plaît ! J'étais dedans, là. Oh, il est mal fait, ce jeu ! Donc, ouais, voilà. Mais donc, ouais, encore une fois, pour pour les palettes de couleurs dans les donjons, j'ai pas fait gaffe du tout, rien à foutre. Il y a un type, parce que je l'ai laissé en open source, j'aurais pu le protéger par mot de passe. Je l'ai pas fait. Parce que je voulais justement que les gens puissent le modifier aussi. Il y a un type qui a modifié puis qui a amélioré la palette de couleurs pour que, j'imagine, ça ressemble un petit peu plus à la palette de des oracles. Donc pas que ce soit des palettes avec une couleur, on va dire, unie pour chacun des donjons. Et puis il a rendu le jeu un peu plus difficile, parce qu'à la base, il est très facile, c'est vrai. Mais en même temps, c'était l'idée de base. Je peux pas passer par ici. C'était l'idée de base de rendre ce jeu plus facile. Parce que faut le dire quand même, pour des nouveaux arrivants, Zelda 1, il est très 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 difficile. Ah, et puis ouais, j'ai rendu un peu moins cryptique, dans le sens où... maintenant, s'il y a un mur friable, on le voit. Ce qui n'est pas le cas pour Zelda 1, à la base. S'il y a un buisson qui peut être brûlé, il y a des chances qu'on voit. Et voilà. C'est essentiellement mon Zelda 1. Après, dans l'Overworld aussi, il y a la petite map en haut à droite. Oui, il faut montrer ici. J'ai pas l'habitude d'utiliser une webcam, donc je m'en mêle les pinceaux. Et voilà. Il y a un truc dans l'œil du serpent. Il y a un truc dans l'œil du serpent, et ça, je crois que pour les murs friables à l'intérieur des... First try, mon gars, mais oui, dans ta moule. Oui. Ça, je les ai pas mis, les murs friables. En même temps, pour 5 vieux rubis. Pas 5. Je veux pas les compter, mais... Chiant. Marche dans la cascade! Alors, vachement plus jouable que Zelda 1 de base, mais ouais, parce que... Ouais. J'aime beaucoup Zelda 1, hein. Je l'aime beaucoup, bah en même temps, ouais, c'est pas pour rien que j'ai voulu en faire un remake. Est-ce que Nintendo n'a finalement pas voulu faire? Parce qu'à la base, Zelda 4, ou les Oracles, je sais plus, c'était censé être ça. Un des Zelda Game Boy, c'était censé être un remake de Zelda 1, mais... Mais ouais, ouais. Parce de base, il est difficilement jouable, en tout cas, il a bien vieilli. Puis surtout, il est moche. Il est vraiment pas beau, Zelda. Ah. Hop là. Et donc, ouais, mon idée, c'était de faire... de rendre le jeu plus accessible, de par sa bouille. Enfin, ses graphismes, du coup. Et puis, sa jouabilité. En même temps, un remake n'a pas vraiment d'intérêt vu l'absence totale de scénar. Mouais. Je sais pas, c'est quand même le premier Zelda, il fait partie de l'histoire, quoi. Je veux dire, même Donkey Kong, le premier, hein, a eu des reimagining. Et même des remakes, hein. Bon, 10 000 portages, hein, parce que bon, c'est un jeu d'arcade, mais... Mario Bros 1, il a eu des remakes. Sur, Super NES, dans le All-Stars, et puis, dans la version, GBA. Puis il a pas vraiment de scénar non plus, quoi.
Puis bon, il a quand même un scénar, Zelda 1. Alors, juste voir si j'ai tout fait. Juste tout revoir. Ouais, ici, j'ai dû tout buter. Non, quand même. Ah, ici, je suis pas allé. C'est sûrement juste la boussole, mais... Tant qu'à faire, j'essaie de le 100%iser. Ouais, rien que tu penses à la texture mise au goût du jour. Ah, ouais, là, ouais. Oui, parce que sinon, c'est en reimagining. Ou en reboot, ou en... comme ça. Bah, remake, typiquement, bah, je pense à... pas Link's Awakening DX. Ça, c'est entre les deux. Enfin, entre juste en portage et puis en remake. Link's Awakening HD, là, sur Switch. Ça, c'est clairement un remake. Bon, c'est le même jeu, techniquement, mais... Fraise. Non, mais... J'ai quoi d'autre comme exemple? Bah, Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D, ça c'est des remakes. Je sais pas. Je suis sûr que j'ai tout eu déjà, mais... Ah, bien que, il me semble que là, dans la bouche du serpent, j'ai pas tout eu. On va voir. Ouais, mais du coup, faudra qu'on voit si on veut faire la version Switch ou la... ou le DX. Ou les deux. Pourquoi pas les deux? T'as quel Zelda en cours? Bah celui-là. Je viens de commencer ce soir pour ce truc de... Ah, mais ici, j'ai déjà tout, oui, je pense. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est bon. J'ai tout. Ouais, après, bah, de toute façon, ici, j'ai une Switch aussi. Maintenant, effectivement, j'ai pas le jeu, puis c'est pour ça là, que j'étais summon. C'est parce que... toi, t'as le jeu. Alors que moi, pas. Hein, en revanche, bah pour continuer, hein, parce que j'avais pas fini d'en parler avant de faire mon BRB, là. Attends, je m'étais arrêté, oh. Toi, la princesse, machin... Ah, aussi, je suis pas sûr de vouloir refaire ceux de DS. Je verrai. Semi-canon pour moi. Hein. Semi-canon. Techniquement, il le sent, mais Spirit Track, j'ai pas du tout envie. Mais on verra, on verra. De toute façon, c'est dans longtemps. Oh, t'aurais pu te prendre le deuxième, là, sérieux. Mais ouais, puis il y a aussi la question de Skyward Sword. Skyward Sword HD ou pas. J'ai le Skyward Sword HD. Et il serait sûrement moins chiant à streamer que la version Wii. Donc, peut-être, d'autant que j'avais vaguement commencé, jamais continué. Donc ouais, Skyward Sword HD. Peut-être. Ok, j'ai fini level 4. Je pense que je vais faire level 5. Ah, il faut que je me rachète un shield. J'ai que 100 rubis, ça sera peut-être pas assez. Je vais voir. Alors, level 5. Donc ouais, pardon, vous disiez... Commencez pas à vouloir comparer vos machins, ouais. Link garde son échelle dans son dos, est-ce que pour passer un gouffre, il prend le temps de poser son échelle ou alors il fait une roulade? Roulade, clairement, ouais, clairement. Franchement, ouais. Pourquoi la Triforce elle est rouge? Je me suis chié dessus! Pas grave, hein, mais je me suis chié dessus! Je me suis chié dessus! Ok. Ouais, je vois. Dans un premier temps où je dois aller. Triforce de 100, quoi. Ouais, encore une fois,
j'ai pour projet potentiel à très long terme de refaire ce remake sous forme d'un ROM hack de Zelda 1. Je pense que ce serait plus difficile de faire ça, bien que... Je fais un ROM hack de Zelda 1 ou de Zelda 4? Franchement... Franchement, je le fais sur Game Boy ou je le fais sur... Je le fais sur NES. Putain, maintenant que j'y pense, ce serait tellement plus logique de le faire sur... Faudra que je regarde. S'il y a le code source de Link's Awakening ou dans des oracles, je le fais sur Game Boy. Ce serait tellement plus simple. Parce que, et encore, je pars du principe que, qu'un jour je me mette à coder en C. Il faut que je recode les mouvements, faut que je recode le sword slash, la charge. En vrai, ce serait beaucoup plus logique sur Game Boy, même si ça a une moins bonne... Faudrait adapter un peu des screens. Mais ça a une moins bonne résolution, ouais, donc du coup, il y a moins de... Je peux mettre moins de tiles par écran, puis ça, c'est problématique, en fait. Ouais. Ah ouais, je dois déjà aller chercher la dernière épée, en fait. Ou les deux, mais... Déjà, faire un portage sous forme de ROM... Ce serait trop bien, parce que, ouais, refaire le jeu, parce que j'ai beaucoup aimé le faire, en vrai, déjà. Et puis, ouais, le refaire. Et puis, du coup, qu'il soit jouable sur émulateur, et donc, du coup, sur console... Sur console, en fait. Ce serait assez dingue. Genre sur une Everdrive, ou bien ces trucs comme ça. Oh là... Parce que je sais même pas si certains de ces trucs ils tourneraient vraiment sur NES. Je dois aller où? Je dois continuer tout droit là. Ça c'était un shop. Ouais, non, c'était pour des rubis. Ou pour un vieux qui voulait me donner un cœur. Moi, j'avais aussi eu un autre projet de reimagining, du coup, cette fois, de Zelda 1. Où, du coup, je mettrais plus en scénar, et puis, genre, une ou deux villes, et puis peut-être des Gorons, ou bien un truc comme ça. Ouais, je dois traverser ici. Est-ce que je dois aller là-dedans? Je ne crois pas. C'est sûrement un vieux qui veut que je répare, enfin, que je lui paye les réparations de sa maison. Parce que ça bug toujours. Non, ça c'est bon, je les fixe. Ici, non. Juste à côté. Je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est lui. C'est pas lui. Fils de pute. Non, c'est lui, je crois. Nice! Voilà, c'est ça, je pensais. Maintenant, il faut que j'aille dans le cimetière. Refaire en Rayman. C'est vrai que ce serait trop bien que je refasse en Rayman. Je rejoue en Rayman, j'entends. Je dois donc maintenant aller récupérer ma petite épée. Putain, les linelles. Allez, viens là! Oh! Je crois que je dois monter là. Non, pas du tout. Non, ça c'est autre chose. Il me semble. Ouais.
C'est clairement autre chose. Alors, non. Le Guinea, fuck you. Commencer par le buter, puis après, c'est juste qu'il me faut la bonne tombe. Et en l'occurrence, c'est... je vois pas bien, je crois que c'est elle. Mais oui! En ancien, grand maître l'utilisait, tu peux l'avoir. J'avais commencé, parce que j'avais fait Rayman 1. Tiens, j'avais fait un petit peu aussi de Rayman Redesigner, c'était dingue. Mais... puis j'avais commencé Zelda, non, Rayman 2. Cependant... j'avais... Non, putain, il faut que je bute le dernier Linel. Je l'avais pas continué. Mais je sais plus quelle... quelle était la raison pour laquelle j'avais pas continué. En fait, je sais même plus quelle... sur quelle console c'était. Je crois que c'était PS2. Je suis pas sûr. Mais j'aurais pas dû faire ça, parce que du coup, c'était une version que je trouvais un peu chelou. Que j'avais pas trop aimé. On n'a pas trop le choix, il me semble. Parce que moi j'étais habitué à la version. C'était Forever, je crois. Non, non, Forever c'était sur Game Boy. Je sais plus comment il s'appelait. Bref, c'était une version un peu plus récente de Rayman 2. Et puis j'étais pas convaincu. Je suis même pas sûr que je sois en train d'aller où il faut. Je sais pas du tout où il faut. Je sais pas du tout où il faut. Mais bref, il faudrait que je me fasse la version 64, c'est celle à laquelle je suis habitué, et que je préfère. Great Escape, par contre, tous les autres Rayman plus traditionnels, c'est pas mon truc. Ah non, alors Rayman 2, je l'aime beaucoup en vrai, hein, c'est pas du tout un souci. Non, moi j'ai vraiment eu des problèmes avec... Oh non, oh, je dois aller où... Ok, j'avais oublié ça, c'est vraiment trop con. Faut juste aller tout en haut 4 fois. Mais ouais, là c'était la version updatée, on va dire, de Rayman 2 qui du coup avait un hub et puis c'était bizarre. Oh, s'il te plaît. Donc ouais, j'avais vraiment pas aimé par rapport à... J'ai pas croché en fait, par rapport à la version sur 64. Même si du coup il y avait des voix, c'était un peu mignon. J'étais paumé, on se paume dans le hub, c'est vraiment chelou. Alors que le Rayman 2, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après, le 3, évidemment, j'aurais pour projet de le faire aussi, parce qu'il est complètement dingue. Il est vraiment sympa. Et après, évidemment, il y a Rayman 4. Non, ce serait trop beau, mais non. Il n'y a pas Rayman 4. Mais Origins et Legends... C'est qui déjà qui me disait qu'il avait aimé... ouais, je vais pas tout de suite faire les ceux qui sont fermés, encore une fois. Wow, Didodongo. Je vais pas tout de suite les faire. Ça doit être toi qui as un problème. Est-ce que vous avez un souci? Moi, de mon côté, là, ça a l'air d'aller. Mais moi, en tout cas, j'ai pas droppé. OBS est pas en train de me signaler quelque chose. Là, j'ai le stream qui est en train de vaguement tourner derrière, derrière mon jeu. Ça joue. Alors, Krasa, j'espère que ça ira bientôt mieux pour toi. Ok, étonnant.
Mais ouais, quelqu'un qui me disait qu'il avait beaucoup aimé Origins, mais pas Legends. Allô, quoi. Non, je rigole. Non, les deux sont vraiment super. Les deux, je les adore. Ok, je devrais en passer par là en bas. J'ai vraiment envie d'avoir cette map le plus rapidement possible. Sinon, ça va me saouler. Alors, je vous emmerde pour l'instant. Pour l'instant. Hop là. Oh, mais il est en forme de E.T. Est-ce que là, je peux aller à gauche ou est-ce que... Ouais, non, je pense qu'il va falloir que je me fasse les dodongos. Je vais me faire les dodongos. Allez. C'est deux bombes par dodongo. J'ai pas beaucoup de marge, mais... Oh, oh merde. Allez. Nice, de 1. Et de 2, parfait pour l'instant. C'était moins une. Nice, ok. J'ai de la marge. Pour le dernier. Ok. First try. Pas gâché de bombes. Et il me redonne des bombes, c'est parfait. Merci monsieur. J'espère au moins que c'est utile d'être venu ici. Oh, puis du coup j'ai plein de rubis pour... les quelques rares trucs que j'aurais à racheter. T'as quoi toi? Une bombe? Ah mais après ça va ouvrir un truc. Hein. Je crois. Peut-être vers la suite du donjon, je suis plus sûr. Est-ce que c'est toi? Non? Non? Je dois poser une bombe à gauche. Je crois que je dois poser une bombe à gauche. Il me semblait qu'ici il y avait un truc à... Mais non, apparemment pas. Ok. Il me semblait qu'il y avait un truc supplémentaire. Ouais, des chevaliers. Ouais, trop fun, ouais. C'est déjà une plaie dans... Avec ce gameplay, mais alors à la base... Oh. Ça fait rien ouvrir d'autre. Alors, en nouveau, souterrain. J'aurais peut-être pas dû commencer par passer par là. Bien que si, comme ça c'est fait. Comme ça au moins pour les dodongos c'est fait. Et le reste du donjon que j'aurais pas eu l'occasion de faire. Je l'emmerde. Donc, est-ce que je veux d'abord passer par en bas, par là? Je crois que ce sera par là. Ah! Ah, on a perdu la webcam. On a perdu la webcam. Deux secondes. Alors, est-ce que c'est parce que je suis à bout? Ouais, j'ai plus de batterie. Bon, plus de webcam. Dommage. Eh oui, c'est un Canon EOS quelque chose. Je vais directement la recharger. Attendez deux secondes. Hop là. Est-ce que mon câble est assez long pour aller jusqu'à là? Mais oui! Hop là. Et va falloir que j'essaye de trouver un moyen de... Ouais, du coup je vais l'enlever aussi, parce que... Moche. Hop là. Ouais, je crois pas vraiment que j'ai l'occasion de faire ça, mais faudrait que je vois s'il y a moyen de la garder sous tension sans utiliser de batterie. Je crois pas... Je verrai ça. Si quelqu'un a envie de faire une rapide recherche Google pour voir si c'est possible de garder sous tension, sans batterie, un appareil photo Canon EOS 1100D. Parce que là, je dois tourner sous batterie, puis c'est un peu chiant, mais c'est ce qu'il faut pour avoir une webcam correcte. Sinon, je peux mettre l'autre, mais c'est pas terrible. Ouais, vas-y, je mets l'autre. Rien à foutre. Celui-là? Non. Ah non, attends. J'en ai un autre? Je l'avais enlevé? Ah. Du coup, je vais en mettre un autre. Attendez, juste renommer celui-là. Non, pas remove! Rename! Non, mais oh. Je vais l'appeler Canon. Et du coup, je rajoute une source
Vidéo capture device que je vais appeler webcam. Et qui utilise cette merde. Mais oui, superbe. Du tout. Ah, oh, c'est crade par rapport à l'autre. Ah, oh, c'est horrible. Ah. Ah. Mais comment vous pouvez regarder le stream de ce bolos? Hop là. Un petit tingle qui est à l'intérieur du pédale, de pédaler plus vite, ouais, j'avoue. Je sais plus ce que je disais avant, du coup. Que eux, c'était des plaies. Non, ça, j'avais fini d'en parler. Oh, full life. Ouais, non, je peux rien faire, quoi. J'ai même pas mon autre... 2004 qui téléphone, il faut lui rendre sa résolution HD. Le pire, c'est que c'est vraiment censé être une webcam HD. Oh, l'ocarina! Alors qu'à la base, c'est une flûte, hein. Dans Zelda 1, c'est une flûte. Merde, je l'ai pas ici. Il est où, mon ocarina? Je sais pas où je l'ai foutu. Mon fameux ocarina que j'avais imprimé en 3D, là. Alors, juste voir si ici... Non, dommage. Ici, peut-être. Non, tant pis. Never mind. En vrai, je vais essayer de faire quelque chose avec cette webcam, parce que là, ça va pas du tout. Alors, on va récupérer le lighting qui est là derrière. Et... Ah, ça, c'est mon aisselle. Vous aimez? Délicieux. Hop là, dans la gueule, ah. Et juste voir si j'ai moyen de... Attends, parce que là c'est devant, ça va pas. Je vais mettre ici. Hop là, configurer, sucer des bits. Oui. Voilà, c'est légèrement moins pire là. C'est presque tolérable, là. On me voit pas bien, là. Attends, je me mets comment? Plus bas. Y? Y le nain? Oui. Voilà. Voilà, c'est moins pire, là. Ça ressemble presque à quelque chose. Je crois qu'on arrive à voir le chat, quand même. Ok. Voilà la qualité que demandent les gens sur Twitch. L'imposteur, exactement. D'ailleurs, un super t-shirt, je sais pas si vous avez fait gaffe, ça. C'est magnifique. C'est Battle Tales. Groupe de Pagan Metal. Groupe d'un de mes potes. Qui n'ont content d'être... L'un de mes potes, extrêmement talentueux en chant. Alors, je suis très jaloux. Et en composition de manière générale. C'est également lui qui mixe les morceaux de Atomic Mermaid. Et pourquoi est-ce que je peux pas partir? Est-ce que je dois poser une bombe ici? Ça me dit quelque chose. Oui! Voilà, Y qui a des bribes de souvenirs, là. Il a pas complètement perdu sa mémoire, là. À cause de son alcoolisme. Ah, tout va bien. Je vais passer par là. J'ai quelques bombes en rap, j'aurais pas... Dick Dogger déteste certaines fréquences. Certaines fréquences. Comme quoi, par exemple, l'objet que tu viens d'obtenir? L'ocarina, hein? Il est où mon ocarina? Vraiment essayer de retrouver mon ocarina. Il est où?
Je ne sais pas où j'ai mis mon ocarina. Je l'ai vraiment paumé, hein. Est-ce qu'il est pas dans ce tiroir là, quoi? Qu'une idée. J'ai perdu l'ocarina. En frassant. Je le faire un beat. Never mind. Ces bruits sont chiants, donc... Ah. Est-ce que j'ai eu accès là en bas? J'ai déjà oublié maintenant. Parce que là maintenant, ces niveaux, ils commencent à devenir non seulement grands, mais également un petit peu labyrinthiques. Alors j'ai dû avoir accès en bas. Je pense. Attendez. La luminosité te donne des cernes de ouf en direct, t'as pas dormi depuis 10 ans. Bah c'est ok. Non mais, ça va. Mais sinon ça va, ouais je sais que ça passe vaguement, mais par rapport à avant, par rapport à l'autre... Ouais, bien que là c'est un peu plus fluide je crois, mais bref, c'est dégueu quoi. Par rapport à l'autre, à ce que j'utilisais avant là, c'est crade quoi. Oh! Oh, it's one shot! Yalla! Yalla! Nice! ok. Tac. Non, mais c'est vrai, moi je sais que de base j'ai des monstres cernes, hein, y a pas de soucis. J'ai aussi, une arcade sourcilière, un peu de Néandertal, même si par rapport à certains de mes potes, au singulier, c'est... ça va encore. J'ai cru. Non. Tiens! Tiens! Voilà, ça t'apprendra à traiter ma mère. Eux aussi ils détestent certaines sortes de sound. Mais... Oh, vraiment! Mais ça me fait chier de sortir l'ocarina, donc... Bah alors les lapins, hein? N'en dis pas les mamans! Tiens. Culé! Ah la vache. Ok. Bah alors, Dick Dogger, hein? T'aimes pas certaines fréquences? Quoi ici? Moi je veux des objets. Donne les bonus! Mais ouais, j'ai toujours pas compris pourquoi c'est... ma webcam. Ok, ici y a vraiment rien. J'ai pas compris pourquoi... j'avais aussi peu de FPS avec la... avec mon appareil photo. C'est censé être 30 FPS, mais... Parce que là, c'est plus fluide, mais l'image est dégueu, donc... Je crois que j'ai tout là-dedans. Je vais vite checker. Peut-être que je refais en donjon. J'ai eu tout ce qu'il me fallait, à part éventuellement peut-être une clé. Mais dans les objets à obtenir ici, c'est tout bon.
Aussi, OBS, tu t'arrêtes d'aller dans le jaune pour finalement... ne pas poser de problème. The Dragon. Mm-hmm. Ok. On va essayer de se sortir de ce pétrin, déjà. Je n'arrive pas à me sortir de ce pétrin. Ok, je me suis sorti de ce pétrin. On va voir si on peut entrer dans la cascade. Est-ce que c'est cette cascade dont le vieux parlait? Il me semble que oui, mais je crois que de toute façon, c'est juste une vieille... Ouais, paye-moi, je parlerai. Donc du coup, on n'a rien à foutre. Aussi, cette cascade buggée. J'ai tout essayé. Je peux pas résoudre ce bug. Pour l'animation de la cascade qui est un peu crado, là. En même temps... De nouveau, ça rend un peu moins cryptique, vu que c'est cassé, mais... Je sais pas. À la base, j'aurais voulu que ce soit juste joli. Maintenant, il y a certaines choses que... Que le programme, malheureusement, ne laisse pas faire, même s'il donne beaucoup de possibilités. La preuve en est de ce jeu, hein, parce qu'à la base, encore une fois, à la base, Zelda classique, c'était censé être juste un portage. Recréation 100% fidèle de Zelda 1 pour PC, donc à la base en 99, et encore parce que là 99 ça date sûrement d'avant. Jusque là 99 c'est le premier, on va dire, copyright du site. Juste deux secondes. Premier copyright du site en 99, mais donc à la base ouais c'était censé juste être une recréation du jeu 100% fidèle à la version NES, mais pour le PC. Et... Oui, c'est du tabac. Et après, bah, je sais pas, ils ont dû se dire, ah tiens, en créant le machin, on a réussi à faire un semblant d'éditeur de map. Donc ils l'ont fait. Et donc du coup, c'est devenu un éditeur de map. Je sais pas du tout où est le TP où je dois aller. Ok, c'est tout en bas. Genre juste ce screen là. Ouais, c'est ça. Je dois juste buter ces villes freluquins. Ce serait pas mal que je récupère un gros shield en fait. D'autant que là j'ai une chier de thune. Je vais vite. Ouais, je vais essayer de vite trouver un vendeur. Et il me semble qu'il y en a un là juste à gauche. Juste à gauche. Merde. Je sais pas où je pensais aller. Elle est sympa cette map, mais... C'est ici le vendeur ou je crois pas? Non, il me semble que là c'est le type qui... Ah si, 160, c'est un peu cher, mais je le prends. Allez, rien à foutre. Aussi, j'aurais aimé pouvoir prendre un autre sprite pour le vendeur, mais les autres sprites de vendeur, notamment ceux qui viennent des Eldorak, ils sont pas terribles non plus. Puis j'ai l'impression que lui, il est un petit peu plus iconique. J'aurais aimé avoir un sprite d'un type qui ressemble un petit peu plus à Lampa Huile ou à Error. Comme c'est le cas dans Zelda original et puis Error dans Zelda 2. Pas du tout là que je dois aller. Mais bon, j'ai pas trouvé, donc... Ah, j'ai même pas besoin de les buter. Bon, je prends. Ok. C'est... milieu. Est-ce qu'il serait difficile de faire un Zelda-like sur la base de celui-ci avec nos propres sprites, on recrée tout, arbre, buisson, ennemi, etc. Si tu gardes exactement les mêmes mécaniques, c'est hyper facile. Même en fait, sur la base de Zelda 1, et puis du coup, tu fais juste un ROM hack de Zelda 1, en soi, c'est pas compliqué du tout. Ce qu'il faut, c'est le temps, et l'imagination, et puis les skills.
Parce du pixel art, je veux dire, t'as quand même seulement 3... Merde. Oh putain, il a réussi à me choper depuis là. Fils de pute. C'est quand même des sacrées restrictions, hein. T'as 3 couleurs par sprite, par tile. X pixels. En l'occurrence, quoi, 8 x 8, je crois, bêtement. Et puis, puis c'est marre. Donc, faut la motivation, le temps, et j'ai pas du tout besoin d'une nouvelle potion, parce que j'en ai encore une foule. Ouais. Mais non, c'est très facile. Puis après, recréer la map, voilà, après, dans la mesure où t'es ok avec le fait de garder là. Même les musiques. Ah! Sur une vraie ROM, ça serait plus compliqué, c'est faisable. Mais c'est plus compliqué, mais là, sur Zelda classique, c'est... easy. Vraiment easy. Est-ce que je vais où il faut? Je crois pas que je suis en train d'aller où il faut. Non, pas du tout. Je fais n'importe quoi. J'ai pas fait attention! J'ai pas fait attention! C'est vraiment là, et ensuite là-haut. Oula! Oula là! Oula! Qu'est-ce qui se passe? Et Greg, il a laissé des bugs. Bravo, Y. Ouais. Ah. Oh, il est moche. Oh, il est moche, le level 6. Ah, là, j'ai pas géré. Je devrais prendre des... Je devrais prendre des notes. Et des trucs que j'aurais à fixer, mais... Non. Bon... Ce jeu, pour moi, je l'ai fini, il reste des bugs, c'est bon. Pour moi, il est sorti en cartouche il y a 2 ans. Vise l'œil du Goma! Prie pour avoir assez de clés! Dieu, merci. Wow! Ouais, parce qu'il y a certains ennemis, je sais pas exactement comment ça s'appelle, etc., mais en gros, c'est une sorte de master ennemi, on va dire. Ou si on a plusieurs du même type dans le même screen, et que tu butes le master ennemi, ils vont tous claquer. C'est stylé. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais je sais que c'est quelque chose qui existe, j'ai lu quelque chose une fois là-dessus. Ouais. Super screen, ça. Ok, boum. Oui. Et je me rends compte que je vais me retrouver avec une VOD de 2 heures quelque chose. Ce qui, en ce moment d'ailleurs, ne doit pas être excellent pour mon disque dur, mais surtout... Ok, va pas être excellent pour full sur YouTube. Je crois que je vais essayer de le couper en plusieurs parties. Et pour ça, il faudrait que je re... C'est bon, j'ai pu garder mon shield. Ah la vache. Je déteste ces... like. Mais ouais, j'ai enlevé mon programme que j'avais pour l'édition vidéo, là, à savoir... DaVinci Resolve. Qui va très bien. C'est pas aussi bien qu'Adobe Premiere.
Mais évidemment, je vais pas payer une licence pour Adobe Premiere, et puis j'essaye d'éviter un maximum de... de Tipiak, les... Oh, bonjour. Comment on se retrouve? Comment je vais te buter, toi? Ok, il a pas voulu se prendre une seule... pas voulu se prendre une seule claque. En train de m'émanciper de tout programme Adobe, t'as raison. Il y en a, c'est quand même un peu difficile. Je veux dire, première, j'ai du mal à m'en émanciper, suce, s'il te plaît. Oh, putain. Oh, puis c'est chiant dans ce jeu parce qu'on peut pas les récupérer, quoi. Faut retourner au shop pour en racheter un. Mais bref, ouais, non, mais c'est débile. Moi, enfin, je l'ai tipiaqué. Hein. Ces programmes Adobe. Enfin, j'en avais pas grand-chose à foutre. Ils se font assez de thunes, et puis... Je veux dire, depuis que Windows a enlevé Movie Maker du truc de base, ce que je trouve complètement débile, parce que... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si ça... C'était vraiment pas un truc pro, et puis c'était largement suffisant pour... si une butte, je prends. Hein. Au moins j'ai la map. Ah. Enfin bref, c'était super Movie Maker, je sais pas du tout pourquoi ils l'ont enlevé. Et puis bon, première, j'avais appris en cours de vidéo mon option art visuel au collège, lycée. Sus. Dessus, donc voilà. Ah non, mais là, il dit « vise l'œil du goma !» Mais ouais, puis sinon, les autres trucs... Enfin, il y a Sony Vegas, j'ai eu utilisé il y a très longtemps, et puis qui est très bien. Ça reste cher. Et puis, enfin, de base, à part pour de très rares cas, je prends du open source, free software. Juste de base, parce que... Je comprends que pour des pros, il faille des programmes qui ont besoin d'être achetés. Parce que, effectivement, dans une certaine mesure, c'est vrai que programmer, c'est un métier, et puis il faut être payé pour son travail, et puis que... des dons des gens, c'est difficile de vivre, etc. Et puis bon, c'est clair qu'un truc comme Adobe, ce sera un peu chaud de vivre des dons des gens, mais Adobe, ils exagèrent tellement. Donc ouais, pour l'édition vidéo, du coup, je suis passé à Krita. Non, qu'est-ce que je dis DaVinci Resolve. Merde, je peux pas les... Évidemment, j'ai plus le Magic Shield. Oh, ça va me casser les couilles, je sens que... Je vais clairement aller me racheter un truc. Je vais clairement aller me racheter un Magic Shield, ça fait chier. Ouais, continue, je vais juste mettre sur pause, et puis... Ouais, ça fait chier. mettre sur pause, finir ce que je suis en train de dire, puis après je vais faire un birabi, parce que j'ai besoin d'aller sup, puis gentiment aller me reprendre un truc à boire aussi, mais... Mais donc ouais... DaVinci Resolve, qui est un peu chiant à utiliser. Niveau correction de couleur, etc., c'est top, mais pour rajouter des effets, même aussi pour du green screen, c'est vraiment de la merde. Transition, c'est pas top. C'est possible de le faire, mais c'est clairement pas aussi, aussi facile que sur notamment Adobe Premiere ou Sony Vegas, dans une certaine mesure, même si Sony Vegas a longtemps que j'ai pas réutilisé, mais il me semble que c'était assez facile par rapport à ça. Photoshop, Krita, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais au moins c'est open source, puis gratos, et tout à fait utilisable, hein. Il y a quelques trucs qui me manquent beaucoup, mais ça se fait. Sinon, niveau musique, là quand même je l'ai acheté, parce que la licence est vraiment pas chère, il me semble que c'était 70 balles, Reaper, c'est excellent. Vraiment super. Et pour 70 balles, t'as une licence personnelle ou petit business. Legit. Et puis sinon, il est aussi gratuit que WinRAR.
C'est-à-dire que tu le télécharges, il te met un petit splash screen, mais il va jamais t'empêcher de l'utiliser. Il va juste te mettre un splash screen, qui reste 10 secondes, et puis après tu peux l'enlever, et puis c'est bon. Mais voilà. Sinon, aucune restriction, tu utilises tous les VST que tu veux, etc. Et puis de base, je le trouve beaucoup plus agréable à utiliser que genre... Je sais plus ce que c'est l'équivalent de Adobe, mais... En tout cas, par rapport à Pro Tools, je déteste, c'est de la merde. Voilà. Il y a Gimp qui est super, ouais. Paint.net, dans une certaine mesure, qui est très bien aussi. Pas juste Paint, hein, Paint.net. qui est bien dans le même style que Gimp. Sinon, il y a quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Pour la 3D Blender, je peux pas. Je reste sous 3DS Max, lui, il est toujours tipiaque, mais là, en ce moment, de toute façon, j'utilise pas. Sinon, il y a le truc de Google, là. SketchUp, qui est très bien. Pas du tout pour la même utilisation, mais très bien quand même. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Rhino, qui est gratos. Enfin bref. Gimps, Maître Gimps. C'est Gimp, G-I-M-P, pour Graphical Image, quelque chose. Je vois bien. Graphical Image Manipulations Program, sûrement, un truc du style. Bref, à tout de suite.